principal, maman Déborah, qui nous fait la grâce d'être à l'église El Shaddai. Amen. Et tous les différents responsables de ce ministère, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. J'aimerais que le peuple acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour la vie et pour l'amour qu'il donne à son Église. Amen. Nous tirons vers la fin du séminaire qui a commencé samedi, vendredi, depuis vendredi. Amen. Vendredi, nous avons parlé de détruire les mauvaises fondations pour que nous ayons un couple heureux. Alléluia. Et hier, nous avons vraiment passé un bon moment ici où j'avais parlé de l'identité de l'enfant de Dieu. Quand tu reconnais ton identité, tu marches comme Dieu veut par sa grâce. Alléluia. Et ce matin, nous sommes entretenus avec un enseignement enrichissant, bénissant par sa servante évangéliste Thérèse Kouassi, où elle nous enseignait que le lit soit vraiment quelque chose de bien, quelque chose de formidable. Alléluia. Et elle nous enseignait vraiment sur la connaissance, la communion que nous devons avoir. Et maintenant, mais dans ce même verset de Hébreux 13, à partir du verset 4, il nous dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exemple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alléluia. Quand nous partons aux épîtres d'Hébreux, nous voyons que celui dont Dieu a utilisé, inspiré pour écrire ce mot, nous voyons que le mariage soit honoré de tous. Amen. Et il y a une virgule. L'évangéliste est parti, le lit conjugal soit exemple de souillure. Mais je voudrais m'arrêter sur le premier mot, que le mariage soit honoré. Alléluia. Or, nous savons que depuis la création, quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, donc nous comprenons que le concept du mariage est quelque chose où Dieu veut se glorifier, où Dieu veut amener sa gloire. Nous avons été créés à son image, à sa ressemblance pour sa gloire. Donc, ce qui veut dire que le domaine du couple, tous ceux qui s'engagent à pouvoir honorer doivent savoir que le mariage, c'est pour la gloire de Dieu. Non pas pour mes émotions, non pas pour mes sentiments, mais tout ce que je dois faire doit glorifier Dieu. Mais comment je dois glorifier Dieu? C'est en le louant. Je dois honorer Dieu. Mais nous savons que la clé du succès de tout un chacun, la Bible dit qu'en Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus. Donc, pour honorer Dieu, nous savons que premièrement, nous devons aimer d'abord Dieu. Quand tu aimes le Créateur, alors son amour descend pour te donner un choix merveilleux. Alors tu pourras vivre comme il se doit. Mais l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas manifester l'amour de Dieu sans que nous-mêmes nous soyons avec lui. Voilà pourquoi il va dire que quiconque croit ne périsse point. Si je ne crois pas réellement, si je n'ai pas l'assurance réellement, je peux périr dans l'amour où je m'engage dans le couple. Alléluia. Donc, ça veut dire que ma vocation réelle, ma mentalité, ma pensée ne sera pas en conformité comme Dieu veut. Parce que celui qui m'a aimé, il m'a sauvé, pas parce que je suis bon, mais il m'a sauvé parce que c'est par simple amour. Donc, si je rentre dans le couple, c'est par amour que je dois manifester. Cet amour ne réside pas simplement pour des relations sexuelles. Ça doit être aller au-delà de ce que nous pouvons voir de notre être cher
de nos sentiments, de nos émotions. Alléluia. Le couple nous amène à être quoi? Dans une communion de soutien mutuel. Donc, nous communiquons pour avoir le soutien. N'oubliez pas, parce que quand on grandit, on ne reste plus auprès de père ou de la mère pour obtenir cet amour maternel qu'on reçoit. Quand on grandit, on a besoin, nous aussi, de forger, de former quelque chose pour pouvoir avoir aussi un soutien mutuel. Alléluia. Alléluia. Mais l'amour nous dit quoi exactement? 1 Corinthiens 13. Regardez ce que l'amour va nous dire. 1 Corinthiens 13. À partir du verset 1 à 4. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un errant qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sera rien. L'amour est comment? Patient. Elle est pleine de bonté. Elle n'est point envieuse. Alléluia. Elle ne se vante point. Elle ne s'enflamme point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne recherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Mais elle se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Alléluia. Donc, si je m'engage que je veux honorer l'homme ou la femme avec qui je veux partir, l'amour doit être la clé primordiale en toutes choses. Alléluia. Si je n'ai pas l'amour, ce qui fait que je pars dans une vision égocentrique, hypocrisie, qui n'est pas dévoilée dès le départ, mais au cours du chemin, on voit que l'hypocrisie, véritablement, on voit le visage de cette personne. Voilà pourquoi Dieu nous interpelle à notre engagement réel de demander d'honorer notre Seigneur. Alléluia. Plus tu l'aimes, plus l'amour de Dieu est grandi, plus en cela, tu peux aimer l'être qui est au-devant de toi. Ça va te conduire à servir le seul maître. Il dit, tu haïras l'autre. On ne peut pas servir deux maîtres. Ou tu aimes l'autre, ou tu aimeras. Alléluia. Mais ce qui va te conduire à haïr le mal, c'est premièrement d'honorer celui qui t'a pris et celui qui t'a choisi. Et celui en qui tu as cru. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va te permettre de pouvoir véritablement demeurer dans cet amour? Alléluia. Va dans Hébreu. Nous allons prendre Hébreu. Hébreu 4, verset 16 nous dit quoi? Qu'est-ce que Hébreu 4, verset 16 nous dit? Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc l'amour que Dieu nous a donné, c'est que lui s'est approché de nous. Donc c'est à nous aussi de nous approcher de lui pour pouvoir obtenir quoi? Une assurance. Si quelqu'un n'a pas d'assurance, ne peut pas avoir une relation de couple réelle. Parce qu'arrivé par moment sur le chemin, tu peux douter de la personne. Dès lors que tu commences à douter, l'amour va commencer à diminuer. Dès que le doute va s'installer, tu vas commencer maintenant à fouiller partout. Et tu vas commencer à te rendre malade là où il ne le faut pas.
On l'a pas dit, approchez-vous donc. Donc si je m'approche de ma fiancée, celle avec qui je veux partir, d'abord, j'ai confiance en celui qui m'a amené à bâtir ce foyer. Parce que je ne m'appelle plus enfant du monde, mais je m'appelle enfant de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il s'est révélé à Moïse, Jésus dit, je vais te faire Dieu devant Pharaon. Donc toute situation qui se présentera devant de toi, à cause de ce que tu t'approches, tu t'es approché réellement de Dieu, toute situation du monde, tu auras la victoire. Alléluia. Mais savez-vous que on dit pour le soutien mutuel. Donc ça veut dire que toute forme de stratégie du malin, par l'assurance que tu t'approches de Dieu, la confiance que tu apportes, alors tu ne vivras pas pour toi, mais tu vivras pour dire, où la parole de Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Et je verrai mon mari ou ma soeur comme quelqu'un bien-aimé que je dois aider. Parce que j'ai l'assurance que je ne pars pas seul dans cette aventure, mais je pars avec un nom. Un nom qui est au-dessus de tout. Un nom qui n'est pas resté dans le tombeau. Un nom où on croyait que la vie était finie. L'homme où on croyait qu'il n'avait plus d'existence. Comme toi aujourd'hui. Peut-être on peut ne pas voir ton arrivée. Mais Dieu connaît ton arrivée. Il connaît ton futur. Il connaît ce qui est là. Alors, même s'ils ont dit que ton foyer n'ira pas là où il faut, mais Dieu déclare-leur que sur la terre, dans les cieux, dans le vent, dans la lune, dans le soleil, il y a un Dieu qui n'est pas resté dans le tombeau. Il a été ressuscité dans ta mort. Alors, si je vis son esprit en moi, alors dans ce foyer, je réussirai. Dans ce foyer, j'avancerai. Même quel que soit ce qu'on dit de ma femme, ce n'est pas ça le problème. Ce que je sais, je l'aime. On te dira. C'est que celle-là, c'est cette fille-là qui parcourait tout Luxembourg avec les gars ici par-ci. Ils sont venus dire à Élisée, ton maître sera à Névé. Il dit, taisez-vous. Ferme la bouche de ceux qui viennent s'introduire dans ton couple. Tais-toi. Tu as vu ma femme devant l'hôtel Hilton? Tais-toi. Parce qu'on crée des choses. Et tu commences à douter de celle-même que tu avais cette assurance, cette compagnie, cette compagnon, ce compagnon que tu devais avoir. On dit l'amour ne se somme pas. Alléluia. On doit aimer Dieu aveuglément comme lui-même nous a aimés. Mais quand Dieu nous regarde notre nature, il va nous frapper tous les jours. Et quand il nous regarde, il va nous taper tous les jours. On va dire, mais Dieu, il n'est pas là pour nous frapper, nous tuer. Voilà pourquoi, comme on dit, on est sur la grâce. Avant, ceux qui se rebellaient à Dieu, Dieu les tuait en même temps. Mais comme maintenant, on dit sur la grâce, donc souvent, d'autres vont pécher. Il dit, non, je suis la grâce, j'ai confessé mes péchés. Dans tous les cas, mon mari, même ce qu'il a fait là, même, demain, il doute de moi, on n'a pas l'assurance, moi aussi, je m'en ai fait. Vous comprenez un peu? On commence à perdre l'assurance des deux côtés. Et quand tu deviens faible, qu'est-ce qu'il commence à faire? Alléluia. Jésus a dit à Pierre, viens. Il avait l'assurance, il a commencé à marcher sur l'eau. Quand tu as cette assurance, les scorpions qui viennent, tu commences à marcher sur eux. Mais arrivé un moment, quand tu commences à douter, mon bien-aimé, qu'est-ce qu'il fait? Ça va t'enfoncer. Voilà pour dire, approchons-nous du trône. Approchons-nous donc. C'est une conjonction. Il ne dit pas approche, approche. Non, il dit approchons-nous donc. Avec quoi? Il complète. Hein? Avec assurance.
Mais quand tu as une voiture, tout risque. Même quand les enfants prennent les pierres pour casser, là, tu sais que ton assuré va faire quoi? Il va réparer. Mais est le meilleur assureur? Il n'est-il pas capable de changer la situation à ton avantage? Il dit qu'on s'approche sur le trône de la grâce, on obtient quoi? Miséricorde. C'est-à-dire, on était miséreux. Dieu a manifesté quoi? Il a pris sa corde pour nous tirer là où on était. La miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi nous devons aimer Dieu follement. C'est-à-dire, ta folie pour Dieu doit déborder. Quand la folie de Dieu déborde, tu as la révélation de ton mari et de ta femme. Tu pourras identifier ce qui peut amener votre divorce. Parce que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu marchera comme Dieu veut. Alléluia. Alléluia. Le mariage, c'est là où Dieu bâtit son église. C'est là où Dieu construit. Voilà pourquoi quand vous voyez, on dit non, sortez du péché et rentrez dans la grâce avec assurance. Parce que regardez une chose. Lorsque ces enfants qui sont là, qui grandissent, vous les envoyez, on donne quoi aux enfants? Une culture réelle. Mais si tu restes dans le péché, ces enfants iront quoi? Ils ne vont pas connaître ce qu'il a fait. Donc, la nouvelle naissance nous procure à une porte merveilleuse. Voilà pourquoi le mariage est doux. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu as vécu des situations dans le mariage, du passé, et que des personnes qui étaient mariées, et tu as vu leur attitude, vraiment une attitude déplacée, et qu'à cause de cela, tu veux abandonner le mariage, je te dis ce matin, sache que les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Eux, ils n'ont pas su faire la fondation de leur union. Voilà pourquoi cela s'est produit. Mais toi, Dieu, il a une part merveilleuse pour toi. Alors, ne regarde pas au passé. Projette-toi ce que Dieu veut faire au travers de ta vie. Alléluia. Je vois une personne qui va atteindre un niveau vraiment qui va dépasser tous ceux qui sont autour de lui. Mais cela va se produire lorsque tu vas rentrer dans le mariage. Parce que cette élévation, s'il te donne maintenant, tu ne pourras pas te contenir et orienter la chose comme il se doit. Quand tu vas rentrer dans le mariage, ce sera un signe d'un départ. Parce que sur ta vie est déposée une onction royale, une onction de prospérité. Dieu a prévu te bénir de manière spéciale. Tu vas connaître la joie. Tu vas connaître le bonheur. Tu vas connaître le succès. Tu es un canal et une source de bénédiction pour ce ministère. Mais n'oublie pas, oh Maoshakaba, n'abandonne pas. Quand tu vas rentrer dans les lieux du mariage, il dit quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant. Tu es dans cette salle et cette parole te concerne. Il y a une personne qui est là. Dieu dit, tu es en couple. Dis à cette personne de regarder à moi. Tu vois, depuis un certain temps, tu vois la vie de ton mari un peu bizarre dans le foyer. Il te parle comme il veut. Il veut faire ce qu'il veut. Mais Dieu dit, ne baisse pas les bras. Parce que lui, il est au contrôle de tout. Tu as en toi un dépôt, un don de prophétie et un don d'intercession. Et cette onction est combattu. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire de grandes choses au travers de ta vie. Tu parleras à des responsables.
Tu parleras à des personnes à un niveau élevé. Et par toi, ces personnes vont connaître le Seigneur. Mais Dieu passe par cette situation pour te former, pour rendre ton front dur. Parce que des paroles à un certain niveau, des paroles qui sortiront dans ta bouche, c'est des paroles de confirmation. Quand tu diras à une personne, tu es prospère, cette parole va se confirmer et elle va se réaliser parce que Dieu t'a oint pour. Bien-aimé, Dieu bâtit son église avec des couples. Amen. Non? La norme du mariage se trouve dans les relations entre Jésus-Christ et son église, qui nous amène à la soumission, au service sacrificiel, à la fidélité permanente. Alléluia. Et nous communions. Alléluia. Voilà pourquoi notre communion avec le Seigneur doit être vraie. Une communion qui est fausse avec le Seigneur ne peut pas aller de l'avant. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes l'époux de Christ. Christ nous a épousés. Amen. Amen. Notre force, notre source de force pour continuer dans une union se trouve où? Par l'inspiration de Dieu et de son esprit qu'il nous a donné. Donc tout enfant de Dieu doit rechercher en toute chose le don du sacrifice. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous parle en Romains 12. On va le lire. Si la parole te fait du bien, acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Romains 12, à partir du verset 1 à 3, je lis. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. L'intelligence est ce qui se trouve dans notre âme intérieure. Donc elle doit travailler. Et ce qui va conduire le corps à suivre les principes de Dieu. Alléluia. Mais lorsque ta mentalité n'est pas changée, lorsque ton esprit n'est pas changé, mais il faut que tu offres toi-même d'abord en sacrifice. Il y a un prix à payer en tout. Il y a un prix à payer. Pourquoi? Parce que l'éducation que ta femme a reçue diffère de ce que tu as reçu. Quand vous assemblez, quand ton intelligence n'est pas renouvelée, tu marcheras comme la tradition. Et maintenant, ça dit ton vécu va déteindre sur ton foyer. Elle aussi, son vécu va déteindre sur le foyer. Mais il faille que nous nous offrons en sacrifice à Dieu. Lorsque tu t'offres en sacrifice, Dieu aussi t'aide pour dire, ah, mon enfant a compris. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une transformation réelle. Là vient le brisement, l'humilité. Alléluia. Quand on prend un mouton pour aller égorger, le mouton n'a plus de volonté. Voilà pourquoi la mort en soi, dans le foyer, doit être une mort véritable. Celui qui est mort ne parle plus. Et maintenant, tu t'approches du trône de la grâce avec assurance, sachant que je ne vis plus pour moi. Si je vis,
dans le foyer, c'est l'intérêt de mon épouse, c'est l'intérêt de mon époux. Je me sacrifie pour ma famille. Alors, j'offre quoi? Je dis non avec une relation avec Dieu. Pour que le rôle que Dieu a donné en Éphésiens 5, à partir du verset 22 à 25, puisse s'accomplir. Alors, qu'est-ce que je fais? Je sais que moi, en tant qu'homme, j'ai une responsabilité d'aimer ma femme. Alléluia. Et de guider ma famille. Deuxièmement, en tant qu'épouse, je sais que ma responsabilité, c'est pourquoi? C'est de pouvoir me soumettre, d'être l'aide qu'il faut. Mais par moment, on pense que se soumettre, c'est quelque chose d'esclavage. On dit, sois sous la mission de. Voilà pourquoi Adam s'est dit, voici, cette fois-ci, les os de mes os, la chair de ma chair, et je l'appellerai femme. Donc nous avons un rôle à jouer. Mais ce rôle que nous pouvons accomplir, ce rôle-là, c'est dans le sacrifice. Et c'est dans le don de soi. Tant qu'il n'y a pas de sacrifice, il ne peut pas avoir une réussite. Donc c'est ce qui fait que par moments les gens changent les femmes. Tu le vois aujourd'hui, oh je l'ai laissé hier. Tu vois aujourd'hui, non je l'ai laissé. Mais parce qu'il n'y a pas une main en soi. Tu cherches quelque chose d'idéal quelque part, tu ne pourras jamais avoir. Mais pose-toi toi-même la question, qu'est-ce qui fait que je parle de femme en femme ou mais de homme en homme? Moi-même, mes amis, si je me donne en sacrifice, alors ce qui me fatigue ou ce qu'on voit de manière négative va se briser complètement. Alléluia. Quand je suis en sacrifice, je crée quoi? Une communion, une communication réelle dans le foyer. Le foyer ne se parle pas. Alléluia. On doit établir des règles basiques dans le foyer. Parce que notre intelligence est renouvelée. Alléluia. Nous devons être, c'est réciproque envers l'un et l'autre. Amen, non? Mais il faille que nous grandissons. Voilà pourquoi on dit un enfant ne se marie pas. L'apôtre Paul dit, dans l'épître aux Corinthiens, il dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Et quand j'ai grandi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis devenu grand. Alléluia. Nous devons grandir. Le respect mutuel doit caractériser notre union. Et maintenant, le don de soi doit être réciproque envers l'un et l'autre. Nous devons nous protéger dans le foyer. Amen. Nous protéger, nous parler dans un dialogue vrai. Ça, je n'ai pas apprécié chez toi, chérie. Ce que tu m'as dit hier, je n'ai pas apprécié. Dans un langage d'amour. Amen. Ce n'est pas au moment où l'autre commence à te faire des reproches. Tu dis, mais hier, c'est toi-même qui m'as fait saisir. On ne finira jamais de s'entendre. Il y aura toujours la discorde, la désunion. Au moins, je te rappelle pour dire, ah non, toi-même, hier quand tu es venu à la chaussée que tu as mis, est-ce que tu as pris? Tu as laissé là. Quand tu es venu, tu as bien mangé là, tu ne m'as même pas dit merci. Mais non. Et pas moi, on rapporte ce qu'on a laissé hier. Tu as vu quand j'étais à Sophie là, non? Ce qu'elle me faisait là, toi, ce n'est pas ce que tu me fais. C'est les bébés qui font ça dans le foyer. C'est-à-dire, ils cherchent un moyen pour te blesser quelque part, ou pour te faire mal. Mais c'est une porte d'ouverture. Mais toi, tu dis ce que Sophie t'a fait. Et si ça te dit ce que Kofi a fait, toi, tu vas faire comment? Ça fait qu'on reste comme des enfants. Le but de Dieu n'est pas fait. L'atmosphère se dégrade. Parce qu'il y a un troisième élément qui est rentré. Un feu étranger, par notre attitude, par notre comportement, par notre vision des choses. Et l'amour commence à diminuer. La femme, elle a même plus envie de se faire belle. Avant, elle se faisait belle, mais au moins pour recevoir son mari. Maintenant, elle s'en fout.
Maquillage même plus. Même si l'homme il veut s'habiller comme même porte pantalon serré, il n'y a pas de truc, elle s'en fout. Voyez un peu, ça déteint. Il dit, celui qui peut diriger sa maison peut diriger l'église. La maison est la première cellule que Dieu a établie. Voilà pourquoi vous voyez dans le jardin d'Éden, quand Dieu a fait toutes choses, il les a bénis, il a mis l'homme et la femme. Si le foyer ne va pas, il ne faut pas penser que tu es ribababababa, il faut donner toutes les prophéties du monde. Ça ne va nulle part. Fais tes 40 jours de jeûne. Si tu ne suis pas les principes qui se doivent, ton onction là, tu vas penser que c'est l'onction, mais c'est zéro. Alléluia. Nous devons grandir. Le mari doit exercer l'autorité. C'est dans l'unité qu'on éduque et on bâtit le foyer. Quand la femme parle, toi le père parle. Quand le père parle, toi la femme parle. Vous devez être en accord devant les enfants. Si tu dis un mot, contrairement à ce que le mari dit, l'enfant garde, il grandit avec. Ça déstabilise la vie des enfants. Même par moment, même si vous êtes en désaccord, mais attendez-vous pour l'éducation des enfants. On doit être ensemble. C'est là qu'on appelle grandir. Non, ne parle pas, mon enfant, comme ça. Ne parle pas. Mais c'est vous deux qui avez fait. Quand tu dis ne parle pas, mon enfant, comme ça, qui a fait? Elle, c'est quelqu'un qui est dehors. C'est toi, c'est ton enfant? Non. Alléluia. Nous devons être établis une communication réelle. Nous devons avoir le même langage. Voilà pourquoi vous avez vu à la tour de Babel, quand les gens ont commencé à se mettre ensemble d'une autre pensée, Dieu est venu casser la tour de Babel. Ça crée par moments, c'est des petites choses qui viennent s'installer sans le savoir. Et surtout les querelles. On commence à se quereller matin, midi, soir. Pourtant, on se dit qu'on est chrétien. On ne prend même pas la peine pour dire, ah vraiment, on n'a qu'à se pardonner nous deux. Alléluia. Ce n'est pas bon. Nous devons changer notre manière et notre vision de couple pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Alléluia. Les mauvais coups, nous avons vu Ananias et Saphira, qui ont menti à Dieu. Alléluia. Des mauvais coups. Nous ne devons pas suivre de mauvais exemples. Si ton mari est bizarre dans ce qu'il fait, qu'il n'honore pas Dieu, il faut dénoncer pour dire à ton mari, non chérie, ce que tu fais n'est pas bon. Ne cachons pas les choses. Ananias et Saphira se sont mis ensemble pour tromper Dieu. Donc souvent, la mort spirituelle peut s'installer par nos attitudes dans le foyer. Mais or, lorsque le feu de Dieu est activé dans le foyer, c'est une bénédiction, c'est une gloire. Voilà pourquoi chaque jour, nous devons inviter Dieu dans notre union. On a commencé avec lui, on ne le laisse pas dans un placard. Parce qu'il est présent chaque jour au milieu de nous. Alléluia. Le premier miracle que Dieu a fait aux noces de Cana. Parce que les mariés ont compris la révélation pour inviter Dieu à leur mariage. On dit le vin manquait. Qu'est-ce qui manque dans ton foyer et tu ne peux pas appeler le maître pour venir remplir? Bien-aimé, il a dit, allez me chercher 6 jars. Qui symbolise les 6 jours de la semaine. Alléluia. Et il dit, remplissez. Tous les jours, c'est un combat. Mais nous devons inviter le maître. Maître, viens. Lundi, viens dans mon foyer. Mardi, viens. Mercredi, viens.
jeudi viens, vendredi viens. Quand tous ces gens ont été remplis, il dit allez donnez-les. Quel est le témoignage que tu donneras par rapport au mariage? Quelle est la parole que tu vas donner? Si tu n'es pas rempli, tu vas donner quoi? Tu présenteras simplement les actions négatives. Or, ce qui est négatif est petit par rapport à ce qui est grand, positif. Dieu nous a appelés, il a béni. On dit quand Dieu a créé l'homme et la femme, il dit puis Dieu les bénit. Donc la bénédiction ne viendra lorsque toi-même, tu appelleras chaque jour le maître dans ton foyer. Mais celui qui n'a pas la révélation du foyer, quand tu vas lui exposer ton besoin, pas ton problème, l'enfant de Dieu n'a pas de problème dans des besoins. Il dit, faites-moi connaître, ne vous inquiétez de rien, mais faites-moi connaître vos besoins. Donc le besoin dont j'aspire, je présente d'abord premièrement à Dieu. Et alors, je cherche des alliés qui sont remplis de manière spirituelle, qui vont me soutenir à l'extérieur par rapport à ma situation dans mon foyer. Qui est ton allié? Alléluia. Voilà pourquoi ils ont invité le maître dans nos écarts. Alléluia. Celui qui t'a marié n'a pas la capacité de donner une clé d'ouverture. On dit, mais Seigneur, c'est vrai, hein, mais moi-même, là, mon cœur, là, ça ne supporte plus. Je vais faire ce que je veux, puis on va voir. Pourtant, tu as gêné. Tu as prié. Quand Dieu en son de mariage, cri, c'est moi. Il dit, la personne tape, jeûne et prière seulement, Seigneur, mon mari. Maintenant qu'on envoie le mari, c'est toi qui le tapes maintenant dans le couloir là-bas. Tu lui dis maintenant ce que tu veux. Non. Nous devons toujours retourner à celui qui a permis que nous puissions être dans l'union. Posons-lui la question. Il répond. Demande-lui ce que tu veux. Même si tu n'as pas connu réellement l'identité de ton épouse, que vous êtes rentré dans le foyer, réfère-toi à ce Dieu qui t'a appelé. Dis-lui, Seigneur, je ne comprends pas ma femme. Je ne comprends pas mon mari. Qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la clé qui va permettre pour que nous réussissions cette union? Et notre témoignage, on a dit oui devant le maire. On a dit oui à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous devons véritablement faire ce qu'il y a à faire. En se supportant véritablement et en se pardonnant. Bien-aimé, on doit se pardonner dans le foyer. Tu veux un foyer béni? Nous devons nous pardonner. Ce matin, je voulais exhorter tout le peuple de Dieu. Peut-être tu as connu des choses, des paroles qui ont dû te blesser dans le foyer. Alléluia. Où l'amour est brisé en toi. Ce matin, quand je préparais le message à 3h du matin, je dis à mon peuple que chacun se pardonne mutuellement. Qu'on ait compassion pour les uns et les autres. Alléluia. Si, dans la marche avec Dieu, tu avais oublié certains principes, Dieu dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit « Priez sans cesse. » Vous devez établir un autel de prière dans votre couple. La méditation. Le jeûne. Alléluia. Alléluia. Dans votre maison. Cela va faire que la maison sera bâtie sur du roc, mais pas sur du sable. On parle beaucoup, on prie peu. On mange beaucoup, on jeûne moins. Or, quand vous voyez une situation de manière récurrente dans ton foyer, on se met ensemble de manière agressive et on commence à combattre l'ennemi. Pour dire, cette femme que j'ai aimée n'était pas comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe?
ce changement qui est en train de se produire. Alléluia. On dit qu'il n'y avait pas de vin. Le vin manquait. Oh Dieu, il est le créateur de toutes choses. Il est celui qui transforme au-delà même de nos pensées. Alléluia. Alléluia. Il dit la pierre rejetée est devenue la principale des langues. Donc, tout ce qui est semé de manière négative, qui commence à rentrer dans mon foyer, là où l'esprit d'adultère commence à s'installer, je commence automatiquement à rien de mon Satan. Ma vie de couple est pour ta gloire. Cette union que tu m'as donnée, nous devons aller de l'avant. Nous réussirons dans cette union. Nous serons prospères. Je serai guéri. Je serai celui dont Dieu a voulu que je sois. De telles déclarations, en te tenant sur la terre des hommes, aucun sorcier, aucun esprit des eaux ne pourra régner dans ton foyer. Alors, même s'ils avaient dit dans ma famille qu'on ne se mariait pas, mais je dis, dès lors où Dieu a permis que cette malédiction soit brisée sur ma vie, alors je réussirai, j'avancerai, j'accomplirai l'œuvre parfaite de Dieu et je combattrai jusqu'au bout à ce que Jésus qui vient me chercher. N'oubliez pas, Dieu a commencé avec le mariage. Il a terminé avec le Seigneur que nous devons épouser. Épousons le maître, épousons celui qui amène l'existence à notre vie. Ne soyons pas ceux qui accompagnent, qui ont le plaisir simplement de se marier. Mais il faut savoir que je rentre dans ce mariage, c'est pour un but bien précis. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et mon mari, ma femme, nous servirons l'Éternel. Quels que soient les vents et marées, je sais une chose, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Car Dieu a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors ce matin, tu vas te lever avec moi et nous allons prier véritablement. Dis à Dieu, Seigneur, je suis là pour toi. Et je sais qu'au sorti de ce séminaire, beaucoup de choses se passeront dans vos foyers. Alléluia. Amen. Nous allons ce matin. Le couple, tu vas prier pour demander pardon à Dieu par rapport à toi-même, à ta marche dans ton foyer. Ton langage, ta manière de parler. Avant, tu lui parlais avec amour, mais depuis que les choses ont commencé, tu lui parles mal, tu parles comme tu veux, vice-versa. Alors, nous allons prier le Seigneur ce matin. Et dis, Seigneur, je te demande toi d'abord Dieu, je demande pardon. Tu vas demander pardon à Dieu. Mais c'est sa grâce qu'il a fait pour entrer dans cette union. Et maintenant, alors, élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, voici ton peuple. Nous venons au devant de toi. Demande pardon, Seigneur, pour tes coupes. Demande pardon pour tout ce qui a pu se faire. Demande pardon, toi qui as institué le mariage. Éternel Dieu, il n'y a que toi seul. Demande pardon pour ton mari. Demande pardon pour ton épouse. Tu es découragé dans ton foyer à cause de l'attitude de ta femme. Mais dis à Dieu ce matin, tu lui pardonnes tout ce qu'il a pu ou elle a pu te faire. Oh, Chakabayon, ce qu'il aura au moins qu'on soit. Dis à Dieu, Seigneur. Dis à Dieu. Tu as été déçu d'une femme. À cause de cela, quand tu vois les femmes, tu n'as plus de considération. Dis ce matin, je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal dans le passé. Tout ce qui a pu briser en moi ton amour dans le sang, dans le mariage. Ce matin, je te demande pardon. Romo Kosumbo Sakabao.
Kimurabakashi kon koromo kososhi. Kuraba sayan kiribishi kibaoso. Kuraba sayan kiribishi. Là où tu as demandé même de l'aide à ton mari, à ton épouse, elle t'a pas fait comme il se devait. Dis, Seigneur, ce matin, je viens au devant de toi. Je demande pardon. Que tout ce qui a pu se faire, Seigneur, ô éternel Dieu de gloire, me voici au devant de toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, éternel Dieu. Aide-nous, éternel Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Réclame le sang de Jésus pour nettoyer tout cela. Que le sang de Jésus nettoie, purifie maintenant toutes ces semences négatives qui a pu se produire dans le foyer, dans le couple, qui est comme une gangrène aujourd'hui au milieu de vous, là où il y avait la discorde, là où il y avait la division, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth vienne laver, vienne purifier en ce jour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton sang. Béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais demander à tous les couples d'avancer. Tous les couples avancés. Prends ton mari, ta femme, vous avancez. Attrapez la main de vos femmes, de vos maris. Oh Jésus. Avancez. C'est pour vous. Mais peut venir. Les saints sont ceux qui sont mariés. Les mariés sont. De toute l'église, et bénis le Seigneur. Viens, servant de Dieu. Toute l'église est mariée, je bénis le Seigneur. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, nous venons au devant de toi en ce jour. Mon épouse, mon mari et moi, pour te présenter au devant de toi notre union. Toi en qui tu nous as fait la grâce d'être mariés et d'obéir à tes principes. En ce jour, nous déclarons un renouvellement de notre vie envers l'un et l'autre. Cieux, combat pour nous. Terre, combat pour nous. Que tous les trésors qu'un ennemi avait dérobés entendent maintenant la voix de la restitution. Mes trésors, mes biens volés, toutes mes bénédictions divines, déviées, tous mes projets interrompus par la voix puissante de l'Éternel, je vous ordonne de revenir à la vie. Sortez de vos prisons et venez à moi maintenant dans le nom de Jésus. Ceux par la voix puissante de l'Éternel qui retentit en ce jour, sur le trône de la grâce, ceux, entend nos voix. En ce jour, toute porte, toute fenêtre de malheur, de mort subite, ceux
entends ma voix. Nous arrêtons cela. Dans le nom de Jésus. Ce matin, toute maladie lancée contre mon foyer. J'arrête cela. Arrête cela. Dans le nom de Jésus. Ce matin, j'appelle la prospérité autour de ma maison, de mon foyer. J'appelle la sagesse, la compréhension divine qui apporte le succès dans le nom de Jésus. J'appelle mes rêves brisés, mes espoirs brisés, qu'ils soient ramenés à la vie et qu'ils se réalisent pour notre foyer. Dans le nom de Jésus, je reçois l'esprit de vigilance et d'alerte spirituelle pour mon foyer, pour l'Église, dans le nom de Jésus. Par l'autorité et dans le nom de Jésus, je décrète sur mon foyer, en ce jour, un temps où mes affaires, mes finances ne seront pas gaspillées. Dans le nom de Jésus, j'appelle l'inspiration de la créativité dans mes affaires. J'appelle l'onction de la grâce pour l'élargissement de mon foyer et de la croissance spirituelle qui déborde à tous égards. Mon intellect, ouvre-toi à faire les choses pour mon mari, pour ma femme, pour l'Église, dans le nom de Jésus. Par la puissance de Jésus, j'appelle la percée financière perdue et volée. Dans le nom de Jésus, j'appelle une percée accélérée sur mon chemin. À côté de ce jour, je détruis toutes les déclarations négatives. Dans le nom de Jésus, mon esprit, mon âme reçoit une nouvelle vie, une vie de gloire, une vie de succès, une vie abondante. Car aucune maladie, aucune pauvreté sera désormais notre partage. Dans le nom de Jésus, je prospère comme l'état de mon âme. Et en ce jour, que l'autel de notre union soit restauré, soit restauré, soit restauré, soit restauré, soit restauré. Et je reçois l'onction qui m'aide à accomplir l'œuvre parfaite du Père. Dans le nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Désormais, tu ne connaîtras plus la disette. Soyez simplement dans la même vision. Soyez toujours unis pour faire les choses. Arrête, je veux dire à quelqu'un, arrête de faire les carrières solo dans ton foyer. Entendez-vous, demande à ton épouse, demande à ton époux. Vous allez encore plus aller de l'avant dans le nom de Jésus. Que tous les couples regagnent leur place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez regagner vos places, les couples. Vous êtes bénis au nom de Jésus.